pour indiquer que j'ai un très gros problème avec le personnage qui s'appelle Soro Guillaume. C'est un personnage qui n'est pas rationnel. Mais est-ce que le temps n'est-il pas venu de dépasser justement? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il le dit dans son communiqué. C'est vous qui avez l'habitude de dire que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il m'a toujours paru irrationnel, ce personnage. Qui a trahi une fois, il trahira certainement deux fois. Et puis, Est-ce que si on part avec ses a priori, on ne donne aucune chance justement à cette coalition de l'opposition? La problématique que je voudrais mettre en débat est celle-ci. Est-ce qu'il faut pouvoir lui faire confiance au regard des précédents événements que nous savons? C'est une question de confiance. Nous sommes peut-être dans le champ politique où les réalités des contextes peuvent changer, peuvent varier. Mais j'ai dit, également, l'histoire nous enseigne plein de choses. Et si l'histoire nous enseigne plein de choses, de mon point de vue, c'est important de prendre avec des pincettes cette déclaration. Deuxième chose, j'ai posé cette problématique tout à l'heure. Est-ce qu'il a consulté sa base politique avant de faire cette sortie? C'est un important engagement qu'il prend. C'est-à-dire, décider que sa formation politique va faire une coalition avec d'autres formations politiques. Tout à l'heure, j'ai parlé du mouvement Génération Capable de Madame Simone Babou. Donc, c'est pour dire qu'en fait, personnellement, je ne fais pas confiance à ce monsieur. Par le passé, il a trahi au moins deux fois. Il est possible qu'il trahisse trois fois. Voilà. C'est important. En plus, nous connaissons le rôle qu'il a joué aux côtés de l'ancien Ouattara en Côte d'Ivoire. Et puis, il fait déclaration étant à l'extérieur. Ce serait intéressant qu'il soit à l'intérieur du pays et que, voilà, c'est vrai, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu pour savoir exactement quelles sont les stratégies qu'il est en train de mettre en place avec ses camarades de parti pour que, effectivement, lorsqu'il sera, le moment sera venu, qu'il puisse avoir, si ce n'est pas lui qui a une alternative cohérente, parce que nous savons comment ça fonctionne avec les deux partis politiques. Quand ce n'est pas lui, ça ne marche pas. Voilà. Il n'y va pas. Merci. Donc, ça veut dire que nous pourrons courir le risque d'une trahison. Merci à vous, Anatole Albert Aïssi. Habib Boubacar Touré, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Niamey, Habib. Alors, les ennemis d'hier peuvent-ils se mettre ensemble aujourd'hui, indépendamment justement des antagonismes, au-delà des déclarations faites par Laurent Gbagbo le 14 juillet dernier du côté de Benoît, ou encore hier dans cette déclaration officielle de GPS? Bonsoir, monsieur Nguéné. Permettez-moi d'avoir une pensée pour les forces de défense et de sécurité de l'AES qui se battent sur tous les fronts pour nous permettre, nous, de pouvoir être en sécurité et parfois même au prix de leur vie. Je salue également tous mes co-débatteurs, Linda Decolo et puis les deux monuments sur le plateau AAA et le patriarche Patient Parfum d'Homme. Ce dont il s'agit ici, monsieur Nguéné, vous parlez des ennemis d'hier, mais hier ils étaient ennemis pourquoi? Parce que chacun pensait avoir une vision pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ce dont il s'agit pour eux tous, c'est de pouvoir préserver la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le doyen parfait qui l'a relevé. C'est d'abord une lutte de survie qui s'annonce pour tous ces hommes politiques. Et au-delà même de tout cela, je pense qu'on n'a pas assez relevé quelque chose d'essentiel. C'est l'échec de Ouattara qui a fait en sorte qu'on parle encore aujourd'hui, en 2024, d'une situation politique qui existait déjà en 2000. Cela suppose que la Côte d'Ivoire est figée pendant pratiquement 24 ans sur les mêmes guéguerres de personnes pour la plupart du temps, mais aussi idéologique parfois. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on peut reprocher aujourd'hui au président Gbagbo, c'est quand même ce homme politique engagé qui avait des valeurs qu'il défendait. Et on a vu durant sa gouvernance tumultueuse, certes, parce qu'on ne l'a pas laissé faire aussi, prendre certaines décisions courageuses qui rejoignent un peu ce qui est en train d'être fait aujourd'hui au niveau de l'AES. Et si Ouattara avait réellement accepté le jeu démocratique, il serait parti et aujourd'hui on parlerait d'une nouvelle classe politique. Et
ce que les uns et les autres ont relevé, que ça soit une lutte de revanche ou que ça soit une décision ou une volonté de se venger, nous aujourd'hui, parce que les acteurs c'est pas les mêmes. Et de l'autre côté, ce qu'il faut aussi marteler, c'est que certes ces acteurs là, chacun a des trucs à reprocher à l'autre, mais le plus important aujourd'hui, ils sont tous obligés de se battre pour pouvoir exister. Ce n'est pas tant combattre ou battre Ouattara le plus important. Parce que j'ai entendu certains relever le fait qu'il n'y a pas d'offre politique pour le peuple ivoirien. Mais bon Dieu, si on n'arrive pas à préserver la Côte d'Ivoire, quelle autre offre politique on peut faire pour pouvoir améliorer les conditions de vie des Ivoiriens? Donc c'est de cela d'abord qu'il s'agit. Il faut s'unir, il faut se réunir pour pouvoir préserver la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a aussi une réalité régionale qui est là avec l'avènement de l'AES. Hier, ceux qui étaient du camp de Ouattara, c'était aussi appuyé sur le Burkina Faso et même sur les autres États de l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir mener cette rébellion. Aujourd'hui encore, si on va dans ces mêmes conditions, Albert Anatole a relevé la CEI et tous les autres mécanismes d'organisation de ces élections qui sont complètement des organes à la solde de Ouattara. Et le RHDP, dans les conditions actuelles, aucun homme politique ne peut aller à des élections et gagner. Cela ne suppose pas que le peuple n'allait pas voter contre le RHDP, mais c'est la volonté du peuple qui va être spoliée et volée par le RHDP. Donc il y a nécessité d'abord pour ces acteurs-là de s'unir. Et je pense que c'est dans cette démarche-là qu'ils sont pour pouvoir en permettre à ce que cette union-là, qui va, quoi qu'on dise, avoir un poids politique considérable et qui va pousser le RHDP à changer ses plans, ne serait-ce qu'à essayer de diviser en permettant aux uns et aux autres de participer ou pas, parce que tous ont d'abord cette comment on appelle ça, ce barrage devant eux, qui est le fonctionnement normal de tous les néocoloniaux, en tout cas au moins des sous-préfets de la France dans la région. On l'a observé au Niger hier encore, on était quasiment dans une posture pareille, où Mahamadou avait été empêché de concourir pour forcer l'opposition ou les autres partis à se diviser et disloquer l'électorat et ouvrir un boulevard à Mohamed Bazoum. C'est la même chose qui est en train de s'opérer en Côte d'Ivoire. Et je pense que cette posture qu'ils ont eue, pour le moment, on n'est pas au niveau de programme. Parce que quoi qu'on dise, quand ça va prendre forme, quand le pouvoir va entendre le poids politique qui est en train d'être constitué à travers cela, on sera obligé de s'asseoir pour faire un minimum de programme sur lequel on va s'entendre une fois le résultat obtenu. Donc, c'est un processus embryonnaire qui a pris forme. Et il y a la nécessité, et il faut se réjouir, que ces acteurs-là, pas des mondes, ont vu la nécessité de ne plus aller aux élections comme ils l'ont fait par le passé, de façon dispersée. Ne serait-ce que par principe, il faut annoncer cette volonté de s'unir pour pouvoir aussi contrer la stratégie du RHDP qui pense avoir un boulevard ouvert. Et c'est pourquoi je pense que l'autre, là, Guillaume Soro, a relevé dans sa sortie la nécessité pour Ouattara de clarifier, oui ou non, sa participation, même si on sait que c'est un secret de polichinelle. Mais ça y va aussi. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de maturité politique dans sa sortie à l'occasion de la proclamation, la veille de la proclamation de la République de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de maturité. On a vu que ces années d'exil, ces années de persécution politique ont eu quand même un impact peut-être positif pour le moment, ça se perçoit dans ses prises de parole. Et quoi qu'on dise, c'est Ouattara et sa persécution qui habilite ou qui réhabilite Guillaume Soro. Sans cette persécution de Ouattara, Guillaume Soro aurait subi les conséquences de ses actes d'hier, ce que Anatole a appelé sur le plateau et ce qu'il a qualifié de trahison par deux fois. Donc je pense qu'il faut beaucoup plus regarder de plus près cette situation qui va certainement évoluer dans les semaines et dans les mois à venir, et je sors par là. Voilà. Alors Oko Sisibaba Nicolo, nous allons sortir de cette thématique avec vous. Vous avez salué l'initiative en elle-même, en dépit justement du personnage
Guillaume Soro. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent aujourd'hui que d'avance les dés sont pipés, au regard justement de la configuration actuelle de tous les organes chargés justement d'organiser cette présidentielle en question en Côte d'Ivoire, dans votre pays? Alors, cher Boudelet, vous posez là une très bonne question. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous recevons au Kossi Baba Nicolo. Allez-y. Alors, la question est de savoir mon optimisme sur la sortie de Soro Guillaume, contrairement au pessimisme de co-débatteurs comme M. Aïssi et puis Lindala. Parce que je pense que je m'aligne dans la même veine que le camarade Boubacar et le doyen Kabosa. Donc, dans ma réponse, je vais juste répondre à ces deux co-débatteurs pour leur dire que vous voyez, il y a les informations que nous avons concernant un fait, un sujet, et il y a ce que vivent ceux qui sont tout de suite connectés à ce sujet. Ce que vivent les Camerounais lorsqu'il y a un match n'est pas ce que vivent les pays amis ou la belle famille, comme j'aime le dire, de ceux qui aiment le Cameroun. Ce que vivra un Nigérien de ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'AES, un Malien, un Burkinabé, n'est pas ce que nous autres, Ivoiriens, Camerounais qui les soutenons, vivent. Donc il y a la réalité des faits et il y a la théorie des faits et ce qu'on pense. Je ne suis pas d'accord avec Aïssi. Je ne suis pas d'accord avec Linda. D'abord, Linda dit que il y a des velléités de manger. Mais je veux dire à Linda que les animaux vivent dans la forêt avec l'ordre de la jungle. Mais lorsque la forêt brûle, les animaux arrivent par instinct de survie. Je ne parle pas d'intelligence parce qu'on dit que les animaux à terre leur vie quotidienne et à tous se ruer vers la sortie pour éviter le feu ou le danger. Les animaux arrivent à l'eau. Donc les hommes peuvent le faire. Ça, c'est connu. Pour le camarade Haïti qui dit que Soro Guillaume a trahi, trahira, il a eu le temps de préciser que lui, personnellement, il est un problème avec Soro Guillaume. Donc, ce qui veut dire que ce qui n'est pas objectif, c'est les émotions. Et c'est pour ça que les grands penseurs disaient que les émotions sont nées, si je ne me trompe pas, et quoi, Hélène, excusez-moi si je n'arrive pas. Bref. C'est pour dire quoi aujourd'hui? La Côte d'Ivoire dont nous parlons, c'est vrai. Ils ont des informations sur la Côte d'Ivoire. Mais ils ne vivent pas la même chose que vivent. Ils ne vivent pas. Je ne dis pas pour dire qu'ils n'ont pas le droit d'en parler, parce que c'est ensemble que nous formons le panafricanisme. C'est ensemble que nous devons apporter de l'espoir aux Africains. Mais moi, chaque fois que je viens sur un média, ce média me sert d'arme. C'est pour ça que je m'aligne totalement sur l'analyse de Boubacar et sur l'analyse du partenaire. De quoi parle aujourd'hui Haïti? Il a un problème avec Soro Guillaume. Il ne connaît pas plus Soro Guillaume que les autres. Il n'a pas dit qu'il a un problème. Il a dit qu'il a un souci avec le personnage. Il a dit, si, il a dit. Il a dit. Qui a trahi une fois. Il a dit fois, que lui, il a un problème avec Soro Guillaume. Peut-être pas personnellement. Il a dit qu'il a un souci, il a un problème avec le personnage Soro Guillaume, avec ses mots. Si il est là, je le parle. Ça, c'est son problème. Nous parlons d'un pays qui doit reluire de nouveau. Nous parlons d'un pays qui n'est pas normal, comme le dit Papen Diop. Quand un pays n'est pas normal, il faut un comportement anormal, une situation exceptionnelle. Aujourd'hui, tous ceux dont vous parlez ont été des acteurs de la crise de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, Charles Blé Guédé, Soro Guillaume, Mamadou Koulibaly, Simon Levé Gbagbo, Harry Konan Bédié qui est obligé de passer par Diantia, tout cela. Je fais partie de ces Ivoiriens et parfait témoin qui, depuis 3 ans, quand Harry Konan Bédié a quitté Alassane Ouattara et Soro Guillaume a fait le pont entre Alassane Ouattara et les adeptes d'Harry Konan Bédié de Soro Guillaume. C'est moi, j'ai appelé les Ivoiriens à dépasser leurs sentiments pour que ensemble nous puissions obliger les hommes politiques à parler d'unité. Aujourd'hui, je suis arrivé à voir que ce que je disais il y a 3 à 4 ans en arrière est un fait. Naturellement,
si je suis logique, je dois m'aligner. Selon Guillaume aujourd'hui, quand on parle de lui, regardez les actes là. Au-delà de, prenons tous les hommes politiques, proche de Ouattara, regardez les actes que Selon Guillaume a posés contre Ouattara. Est-ce que Selon Guillaume n'a pas plus déstabilisé Ouattara que tout autre homme politique? Si. Est-ce que Selon Guillaume n'avait pas, sur lui, le choix de retourner vers Ouattara? Il n'est pas passé. C'est des... Quoi, un homme, on dit que les imbéciles ne se trompent pas. Moi, hier, j'ai été l'un des activistes qui a fait plus de deux contre Selon Guillaume. Mais comme je suis un imbécile, en fonction de sa démarche, j'ai changé. Et j'ai changé parce que mon pays est au-delà de mes sentiments personnels. Et c'est ce que je conseille à mon frère. Si les problèmes sur le Guillaume, c'est son problème. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de toutes ses filles et de tous ses filles. Hier, la Côte d'Ivoire était défigurée par la faute de Selon Guillaume. Ibrahim Traoré, Harry Konan Bédié. Aujourd'hui, c'est le même président, Laurent Gbagbo, qui est revenu et qui tend la main à Sow Touré, qui demande la libération de Sow Touré, qui demande que Selon Guillaume rentre. Blaise Goudestar, qui hier était avec le président Laurent Gbagbo, qui combattait, avec lesquels il combattait Selon Guillaume aujourd'hui, et en visuel le président Laurent Gbagbo. Maman Simone-Neveu Gbagbo, avec lesquels ils ont fait le FPI aujourd'hui, ils ne sont pas en esprit de sympathie. Afi Nguessa, tout à l'heure il disait qu'il ne comprend pas pourquoi Afi Nguessa n'est pas dans le groupe, mais naturellement, par exemple, ma réponse. Afi Nguessa, après l'appel du président économique, comme Aïssi n'est pas un peu plus, ces lieutenants ont dit qu'ils appartiennent désormais à la majorité présidentielle, qui ne sont pas opposés. Donc, Afi Nguessa ne peut pas être dans un groupe d'opposants dès l'instant où il dit qu'il est avec les autres. C'est ces lieutenants qui l'ont dit pour chercher de l'opposition. Donc, en gros, ceux qui sont pessimistes, c'est parce que ils sont à l'aise dans leur pays. La Côte d'Ivoire est un pays anormal. Et je salue ce mot de parfait. Nous sommes dans un pays anormal où des hommes peuvent se faire violer. Écoutez-moi bien, des hommes. C'est-à-dire des jeunes. C'est pas des vieux. Des jeunes prennent un jeune homme, ils le violent. Ou on peut couper la tête de quelqu'un et puis on joue au foot. Ou on peut prendre un village, je ne dis pas un quartier, un village qui existe depuis 1900, on détruit le village. Ou on peut prendre quelqu'un qui dit non, pourquoi on s'en arrête mon corps le même temps. La Côte d'Ivoire est une situation anormale. Alors si des animaux, eux, quand il y a le feu chez eux, arrivent à courir en laissant la loi de la jeune ensemble, pourquoi nous les hommes nous ne faisons pas ça? Je salue la démarche de ce groupe. Je lui apporte tout mon soutien. Et d'ailleurs, il y a de l'oxymoron dans les dits d'Haïti. Selon Guillaume se trouve aujourd'hui dans l'espace AES. Haïti ne peut pas défendre l'AES. Et en même temps, il y a un problème sur le Guillaume. C'est un problème. Il y a un paradoxe. Moi, je suis ivoirien. Je sais ce que mes frères vivent. Je sais la dangerosité de Ouattara. Hier, je le disais sur un plateau. Alassane Ouattara n'étant pas ivoirien d'origine, comme Ibeka est malien et qui a refusé de tuer son peuple pour que la révolution soit faite. Comme Rochma Kabore et Burkinabé qui a refusé de tuer son peuple pour que la révolution soit faite. Comme Bazoum qui a été pris de pourvu, Alassane Ouattara est un étranger qui n'a rien à faire. D'ailleurs, regardez comment est-ce que le président Gbagbo a été kidnappé. Ça a été une coalition. Ouattara a appelé ouvertement au sud du monde entier à l'intervention de l'OTAN, de tout ce qu'il avait contre un pays. C'est face à cet homme-là que nous allons rester entre nous quereller. C'est face à cet homme-là que, comme Linda dit, il y a des vengeances. Cher Linda, les Ivoiriens n'ont pas de vengeance. L'eau a coulé sur le feu. Dans le Maghreb, l'Algérie avait des bisbis, il y avait beaucoup de pays. Mais aujourd'hui, c'est rien. Le Maghreb, l'Algérie a eu des problèmes avec la France pour la colonisation, pour arracher sa liberté. Mais aujourd'hui, c'est rien. Donc, seuls les imbéciles ne changent pas. Les hommes changent dans le temps et dans la réalité des choses. La Côte d'Ivoire vient de loin. Elle n'a pas d'autre option que avoir une force unie et unique. En France, ça marchait tout récemment contre Marine Le Pen. On est tous témoins. Au Sénégal, ça marchait. Ailleurs, ça marchait. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on veut ressasser qu'il y a certaines personnes qui ont des vengeances? Il y a quelqu'un à qui on peut pas faire confiance, qui est Selon Guillaume. Là où on devrait, au contraire, inciter les Ivoiriens à aller au-delà de leurs sentiments et à créer. Moi, j'ai dit tous les Ivoiriens à accepter l'initiative de Mme Simone-Neveu Gbagbo. J'ai vu tous les Ivoiriens à écouter le message de Selon Guillaume. J'ai vu tous les Ivoiriens à réaliser, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, on ne me doute pas, on va parler dans la vérité. Maintenant, le temps faisant son temps de chemin, j'espère que Lina Labaru et Aïssi vont comprendre que la Côte d'Ivoire est un pays anormal. Et toute action, tout acte, que ce soit militairement, politiquement, de la société civile,
spirituellement, métaphysiquement, qui concourent à l'unité de toutes les forces de la Côte d'Ivoire. J'ai été un fervent militant de cela. Et aujourd'hui, je salue la position de la Côte d'Ivoire. Je le suis. Je salue la position de ces 11 partis qui sont mis ensemble. Je salue la position du président Laurent Gbagbo. Je salue la position de la société civile. Je salue naturellement la position des panélistes comme Boubacar, comme Papendom. Je salue naturellement, même si je ne suis pas d'accord avec votre opinion, votre position, parce que pour moi, vous faites ressortir quelque chose dont on doit faire attention. Et je salue aussi For You Media de nous avoir donné l'opportunité. Mais la Côte d'Ivoire renaîtra de nouveau et elle aura besoin de cette unité. Cette unité où il y a des crabes, il y a des serpents, parce qu'il ne s'agit pas de parti politique. Il s'agit d'un pays. Un pays qui doit faire une transition, comme l'a vu Papendom, effectivement. Et cette transition, on l'a vu avec le CNP en 2020. Rappelez-vous. Ce n'était pas un parti politique qui devait être évité. Les leaders, le président Henri Konan Bédié, Afin Guessant, avaient refusé de compétir aux élections. Mais ils ont créé un groupe pour empêcher Ouattara d'avancer. C'est ça le moment de transition et c'est tout ce qui se fera. Et moi, je fais confiance aux Ivoiriens pour ça. Et je fais confiance à mes ancêtres parce que le moment est arrivé. Que les Ivoiriens aillent au-delà de leurs sentiments. Et comme Guillaume le dit, il faut laisser les tirs secondaires, les contradictions secondaires. Il faut mettre le pied en avant. Pour la Côte d'Ivoire, je suis prêt à faire toute alliance, à faire tout ce que ce soit. Tant que c'est vrai, tant que c'est sincère et tant que c'est réalisable. Mais dire qu'aujourd'hui, parce que hier l'autre a tué, l'autre a des vengeances, il faut faire attention. C'est contre-productif et je veux ce qui est productif. Merci de contribuer à cela et je vous exhorte à le faire. Merci à vous, Okusisi ici, Baba Dikolo. Mais juste pour vous rassurer que c'est loin d'être une affaire personnelle entre Anatole Albert Aïssi et Guillaume. Si, il a dit, c'est une affaire personnelle. Il a dit. Vous et Baudelaire, écoutez-moi. C'est des mots. Après cette émission, il a dit que lui, il a un souci avec le personnage Toro Guillaume. Déjà, le ton et les mots sont pas justes. C'est pas juste. Si il y a un problème avec Toro Guillaume, c'est son problème. On parle d'un pays qui doit se retrouver. On parle d'un continent qui est malmené. On parle d'un peuple qui veut se mettre ensemble. Et quand je parle de problème personnel, c'est son problème. Je suis d'accord avec vous. Et on parle de pays qui doit se retrouver. Donc, n'essayez pas de casser ces mots. Mais il ne s'agit absolument pas d'un problème personnel. Il a parlé de personnages. Des actions posées justement par Guillaume Soro en question, mais pas le... Comment vous voulez qu'on définisse? J'ai un problème avec le président Toro Guillaume. On le définit comment? Je ne voudrais pas que nous entrions dans ce débat, ça sera un tout autre. Mais merci à vous, Okusisi Baba Dikolo. Tant mieux. Je pense qu'on va avancer, messieurs, parce que vous aviez quelque chose à ajouter, patient Parfendom. Non, je demande à mon ami.